Ça faisait un moment que je surveillais une marque parce que leur clavier m'intéresse énormément. Ils ont l'air d'être vraiment incroyables. Beaucoup en disent du bien. En plus de ça, c'est une marque française. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? À vrai dire, j'ai une idée sur la question, mais on y revient un petit peu plus tard. Cette marque, c'est tout simplement Designed by GG ou Designed, je ne sais pas comment on le dit. Bref, je veux dire Designed by GG. C'est le modèle Berserk qui est tout récent au niveau de leur modèle. Et vous allez voir que pour le prix, je pense qu'on va être sur quelque chose de vraiment, vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, tout simplement, on retrouve ici une configuration qui se rapproche des claviers custom, c'est-à-dire des touches lubrifiées d'usine. On a également de quoi insonoriser un maximum le clavier, notamment au niveau de sa frappe. On a des switches qui sont interchangeables à chaud, donc pas besoin de démonter le clavier. Évidemment, les touches sont interchangeables aussi. Touches qui sont en PBT, chose rare au niveau des claviers classiques. Après, il est RGB, c'est pas du sans fil. C'est là où on aura pu demander mieux, c'est d'avoir un modèle sans fil. Celui-ci, c'est un modèle filaire. Il y a un RGB, il y a un logiciel pour paramétrer au mieux ce clavier. Bref, le plus important, ça va être de voir notamment ce que ça donne au niveau de son design et surtout au niveau de sa frappe. Et la chose qui choque déjà, c'est le poids du clavier, rien que dans sa boîte là. C'est lourd comme pas possible, beaucoup plus que le clavier Razer que j'ai ici. Alors, clavier Razer, hein, j'en étais très content. Pourquoi je change? Tout simplement pour ceci. Vous l'aurez peut-être entendu, c'est un clavier qui est très bruyant, c'est un clavier clicky. Personnellement, moi j'adore, hein. C'est ma copine qui est là en mode « Tu me casses les couilles avec ton clavier, tu me casses les couilles !» Si tu retapes sur ton clavier, c'est moi qui vais te taper en fait. Comment dire que si je peux éviter une guerre entre nous deux, ça m'arrange énormément. Donc, étant donné qu'il y a énormément de bien déjà qui est fait sur ce clavier, notamment sur sa silence de frappe, bon, bah voilà, et je me suis dit, tant qu'à faire, si je peux passer sur une marque française, bah faisons. Ah, je suis un petit peu chauvin, ouais, Allez, c'est parti, on va le déballer, bref de bavardage, on va l'ouvrir, c'est bien, il n'y a pas de scotch ou de plastique ou quoi que ce soit, donc tant mieux. On va l'ouvrir, donc on va retrouver le clavier emballé, là pour le coup, dans du plastique. Alors, on va le sortir, donc vous pouvez voir déjà d'emblée que, eh bien, tout simplement, le câble est détachable. Je vais éviter d'appuyer dessus. Je vais le mettre de côté. Même si j'ai déjà un petit peu appuyé sur les touches, effectivement. Ok, oui. Ok, on va virer ça. On a une notice d'utilisation. On s'en fout. Le fond est plutôt sympa. Voilà, si ça vous intéresse. Et normalement, on va retrouver voilà, le câble USB-C vers USB-A. Et enfin, on va retrouver tout un petit kit, tout simplement. Alors, déjà une chiffonnette, voilà, pour nettoyer son clavier. Bon, est-ce que vraiment on en a besoin, je ne sais pas. Et on aura un petit outil. De ce côté-là, ce sera pour enlever les touches. Et de ce côté-là, ce sera pour enlever les switches. On retrouve donc deux switches. Donc, tout simplement qui est la version brown, donc tactile, et un qui est la version, alors ça doit être le red je pense. Alors, il est blanc, je sais pas ce que ça vaut, mais on peut voir ici qu'il y a effectivement un petit point d'activation, donc on peut sentir la différence. Bon, on en a que deux, je pense que c'est pour de la démo, hein, tout simplement. Pareil, on va mettre ça de côté. Alors, on aura quelques touches de rechange je pense, donc des touches multimédia. On a CAL, je sais pas ce que c'est, donc touche multimédia pour le son, et une autre touche, alors je sais pas ce que c'est, c'est marqué CAL, je ne sais pas à quoi ça correspond. Et enfin, on aura un petit outil pour dévisser si jamais on veut vraiment démonter le clavier, et ce sera tout. Donc j'ai envie de dire un unboxing plutôt classique au niveau des outillages. Alors au niveau du câble, on est sur un câble qui mesure combien? Au pire, est-ce qu'il est pas noté? Non, évidemment c'est pas noté. Bon bah non, hein, ce serait trop facile d'avoir directement la longueur du câble, mais je dirais ouais, un bon 1m50 je pense, 1m50, pas plus, ce qui sera largement suffisant pour le brancher à son PC. Et il y aura également la possibilité de reprogrammer totalement le clavier, de changer de firmware et évidemment de remettre le firmware de base. Mais ça peut être quelque chose qui peut être intéressant, je pense, pour certains utilisateurs, pour des besoins un petit peu plus poussés. Et évidemment, maintenant, on va s'intéresser au clavier. Je pensais que ça ferait plus de bruit. Alors, le clavier que je n'appuie pas sur les touches. Alors, on retrouve ici un clavier donc assez massif, hein, assez mastoc. Il est vraiment super lourd. C'est vraiment impressionnant le poids. C'est la première fois que j'ai un clavier aussi lourd entre les mains. Alors, j'ai envie de dire, mine de rien, avec le plastique qu'il y a là, donc tout est en plastique, mais un plastique vraiment costaud, robuste, qui inspire la confiance. Donc la prise USB qui est sur la partie gauche. Sur le côté, on retrouve ici une petite molette. Alors certainement de base pour le son, je pense.
à voir si on peut lui attribuer d'autres fonctions. À l'arrière, on retrouvera 4 patins anti-dérapants. On retrouvera également des pieds qui permettent d'ajuster la hauteur sur 2 crans différents, 3 si on prend en compte le fait qu'il peut totalement se replier. Au niveau des touches, on voit bien que les touches ne sont pas découvertes. On a une plaque qui recouvre la base des touches. Donc pour le nettoyer, ça va être un petit peu plus compliqué. Il faudra enlever chaque touche et ensuite passer une bombe d'air par exemple. Contrairement à des claviers comme sur le Razer que j'ai ici, où les touches sont à découvert et donc on a juste à passer un petit coup de bombe d'air juste là par exemple et tout peut s'en aller rapidement. Là, c'est du détail. Donc là, ce sera à chacun de faire son choix par rapport à ça. Donc c'est un clavier TKL comme vous avez pu le voir. Donc on aura le clavier de base, on aura les touches fonctions qui seront juste au-dessus, on aura les touches fléchées, quelques touches fonctions et rien de plus. Alors je regarde s'il y a quelque chose des touches en particulier qui sortirait du lot, mais non, hein, c'est un clavier tout ce qu'il y a de plus classique. Donc si on veut enlever une touche, et bien tout simplement on va prendre cette partie là de cet outil, on aura juste à la mettre autour en dessous de la touche, on tire et ça s'enlève hyper rapidement. Et pareil pour le switch, on va prendre la pince qui est de l'autre côté, on va venir pincer le switch et ensuite on va tirer. Alors faut bien essayer de le prendre à la base du switch, ça peut être un petit peu compliqué les premières fois, mais faut pas hésiter à forcer un peu. Voilà, il est enlevé. Donc on a bien des switches qui peuvent se changer à chaud et on peut voir qu'au niveau des connecteurs, eh bien il peut être compatible sur plusieurs versions de switch. Ici ce sont des Gateron il me semble au niveau des switches. Et donc pour les remettre, c'est simple, on les replace bien comme il faut, on appuie et voilà. Pareil pour la touche, on va venir bien le caler, on appuie et voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et maintenant ce qui va être intéressant de voir, c'est au niveau de la sensation de frappe et le weight qui s'en dégage. Ah oui, 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 ça n'a rien à voir. Effectivement, déjà au niveau du bruit, je vous fais écouter hein, rapidement, mais je vous ferai plutôt une session dédiée où je vous montrerai la comparaison par rapport à mon clavier Razer qui est ici, mais au niveau de la sensation de frappe, on sent que c'est super fluide, c'est plutôt stable au niveau des touches, ça ne bouge pas. Si je compare à mon Razer, on est sur des touches bien plus stables, je trouve. Ah, quoique bien plus stable. Un petit peu plus stable, pas forcément beaucoup, mais on sent quand même une différence notable. Par contre, au niveau de la frappe, ça n'a rien à voir. Oh, j'en connais une qui va être contente. Donc ouais, on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Oh, la touche espace. Oh, oh là là. Ok. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais le brancher. On va voir un peu ce que ça donne au niveau du RGB, voir si tous les caractères sont bien rétroéclairés. Et je vais vous faire une petite comparaison au niveau de la frappe entre ce clavier-là, entre le Razer que j'ai ici, hein, on va avoir vraiment normalement une grosse différence. Et je vous ferai un petit bilan après plusieurs jours d'utilisation. Je vous dis à tout de suite. Allez, nous voici sur le logiciel qui permet de personnaliser le clavier Berserker. Alors, c'est un logiciel vraiment très classique et très rustique, j'ai envie de dire. Alors, on est loin de ce que l'on peut trouver chez Razer, Logitech, Corsair en termes de visuel. Ça fait très industriel, mais c'est parfaitement fonctionnel. Je vais pas aller dans tous les détails parce qu'en fait, c'est du classique hein, au niveau du réglage. On peut personnaliser touche par touche. Vous voyez, je peux appuyer comme bon me semble. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre en personnalisé. Et voilà, je peux sélectionner touche par touche. Je peux sélectionner toute une zone en faisant hop un glisser. Et voilà, je sélectionne la zone que je veux. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On a plein de possibilités de personnalisation en termes
d'effets. Hein. Je vais pas tout vous les montrer, c'est pas très intéressant. Mais il y a de quoi faire. On peut gérer la luminosité, la vitesse pour certains effets. On peut aller très loin au niveau des couleurs parce qu'on a carrément les chiffres exacts pour chercher une couleur précise. Au niveau du réglage des touches, c'est simple. On clique sur n'importe quelle touche et on peut soit faire la fonction par défaut, soit assigner un bouton souris, un bouton rapid fire, raccourci rapide média, fonction système macro ou une fonction bureautique. Il y a vraiment de quoi faire, vous voyez, hein. Il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Donc là, la personnalisation, et ça c'est valable pour toutes les touches, elle est très poussée. Alors sauf la touche FN qui ne pourra pas être personnalisée. Au niveau de la gestion des macros, pareil, on peut gérer la frappe, l'action, les délais. On peut en enregistrer plusieurs et l'assigner à n'importe quelle touche. Donc voilà, là c'est pareil, c'est du classique. Et au niveau des autres réglages, donc on a un mode jeu, le mode fléché que l'on peut mettre sur WASD, donc là c'est ZQSD. Activez-nous l'anti-ghosting, le réglage du clavier, Windows ici. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut pour régler des choses spécifiques. Le debounce que l'on peut choisir entre 20 et 5 millisecondes et la fréquence du clavier entre 1000 Hz et 125 Hz. Et on peut créer plusieurs profils en exporter, en importer. On peut faire un reset total d'un profil, on peut copier et on peut supprimer également la sélection. Pas grand chose à dire sur ce logiciel à part son côté rustique, mais au moins il est parfaitement fonctionnel, je tiens à le préciser. Il n'y a eu aucun bug avec celui-ci, hein, comparé au Razer Synapse où j'ai parfois des problèmes à le lancer au démarrage. Je dois tout simplement l'arrêter et le relancer. Là, je n'ai jamais eu de problème, quel qu'elle soit. A savoir aussi qu'on peut enregistrer des profils directement dans le clavier, ce qui nous évite simplement de refaire les réglages à chaque fois qu'on change de PC. Ça, c'est un point positif également. Bon, ça fait maintenant plusieurs jours que je teste ce clavier. Il est temps maintenant de vous rendre mon bilan. C'est très simple en termes de clavier déjà construit, tout assemblé. Eh bien, c'est le meilleur clavier que j'ai pu tester à ce jour, que ce soit au niveau de la construction ou de la frappe. C'est simple, en termes de frappe, en termes de silence, je n'ai pas eu mieux, je n'ai jamais eu mieux. Et en termes de qualité de frappe, en termes de sensation, je n'ai jamais eu un autre clavier qui est aussi agréable à manipuler. C'est juste incroyable. Que ce soit pour taper du texte ou jouer, c'est tout simple, c'est juste excellent. Et surtout, quand on voit le prix par rapport à la concurrence, franchement, c'est un clavier qui vaut largement le coup. Je ne pense pas que vous trouverez mieux à moins de vous faire un clavier custom vous-même. Et là, le prix sera forcément... Et là, il y a des chances que le prix soit bien plus élevé. La qualité du rétroéclairage RGB est excellente également et tout à fait programmable. Que ce soit également pour les touches qui sont tout à fait programmables via le logiciel, bien qu'il soit un petit peu austère, un petit peu rustique, un petit peu industriel, on va dire. Eh bien, il fait largement l'affaire. Que ce soit au niveau des fonctionnalités ou au niveau des performances du logiciel en soi, j'ai pas grand chose à dire. Une fois qu'on l'a prise en main et qu'on y a pris ses habitudes, eh bien ça fait largement l'affaire. Sachant qu'il y a moyen de changer carrément le firmware du clavier, il y a vraiment de quoi faire au niveau de la customisation. Bien entendu, format TKL, ce sera au goût et couleur de chacun, soit vous préférez un plein format et dans ce cas-là, dirigez-vous vers le Ironclad V2, soit vous préférez un TKL et vous pouvez vous diriger parfaitement vers celui-ci. En fait, le seul petit point à améliorer, je trouve, ce serait d'avoir les mêmes fonctionnalités et tout ce qu'il y a sur ce Berserker sur un Ironclad V2 et d'avoir une version sans fil. C'est vraiment la dernière chose qui manque à ce clavier pour qu'il soit parfait pour moi, du sans fil. Vous pourrez mettre un petit peu plus cher pour avoir un repose-poignet qui est optionnel. Donc là, c'est à vous de voir si oui ou non vous en avez besoin. Personnellement, je n'en ai pas ressenti le besoin en tapotant sur ce clavier, même si, bon, j'aurais pas été contre un repose-poignet. C'est juste que lorsque je l'ai acheté, eh bien, ils en avaient plus de disponible. Ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais bien voulu tester le repose-poignet. Et pareil, je crois que je ne l'ai pas dit, mais niveau bruit, il n'y a rien de mieux, il n'y a pas de plus silencieux. Ma copine m'en remercie beaucoup d'ailleurs. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, hein. C'est un quasi sans faute pour ce clavier là. Franchement, au vu du prix, encore une fois, clairement, mis une claque à toute la concurrence qui vendent des claviers à plus de 150€. Clairement, si vous voulez un clavier TKL et qui vaut plus que ce Berserker, clairement, dirigez-vous vers celui-ci. Surtout si vous le trouvez moins cher que le prix conseillé, vous faites forcément une bonne affaire. Pour une fois, je trouve que le clavier vaut son prix au vu de toutes ses qualités qu'il a actuellement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu sur le test du Design by GG Berserker.
N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être au courant des prochaines vidéos tests qui vont sortir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye. Pourquoi je fais ça à chaque fois? Je sais pas, c'est une habitude. Bon, il est temps que je retourne jouer, moi.